Y'a pas de solidarité, même pour du PQ, les gens se tapent. Surtout restez chez vous, parce qu'on nous dit pas tout. Protégez vos enfants et vos anciens avant de parler de sous. Faites attention aux rumeurs qui circulent sur le net. Certains profitent de l'heure pour amasser quelques pépettes. Moi pour ma part, j'ai donné ma vision des choses. J'ai vécu à l'écart et c'est bien avant leur psychose. Tu peux me traiter de complotiste ou bien d'opportuniste. Le seul truc qui m'attriste, c'est de voir autant d'esprit vide. Personne ne réfléchit, personne ne se renseigne. Personne ne nous a dit que c'est pas la télé qui enseigne. Personne n'a parlé de ceux qui dorment encore dehors. Personne ne nous dira que l'État a sa part de tort. Je pense à nos médecins car c'est les seuls qui se battent vraiment. Toutes mes pensées vont vers eux, je leur souhaite du courage sincèrement. Au bord des nerfs, certains se battent pour que vous restiez en vie plus de 12 heures par jour. Pourquoi tu te plains qu'on finit à l'abri? À force de ne penser qu'à nous-mêmes, on oublie vite le reste. À force de croire que vos cœurs saignent, vous tournez vite vos vestes. On est bien loin de nos anciens, Macron, nous sommes en guerre. On est bien dans la merde, vu que même entre nous on s'enterre. Confinés comme des bêtes, c'est chacun son assiette. Bien à l'abri, je fais pas la fête. J'écris des lettres pour pas me prendre la tête. J'écris des 16, mais genre après 32. Tout ça me pèse, mon âme s'affaisse, tu peux le voir dans mes yeux. Et j'ai gratté le corona pour que le peuple prenne conscience. J'ai fait suer comme un sonnage, crache ma haine, je suis dans le bon sens. Je l'ai déjà dit, mal informé, ceux qui gouvernent mentent. Je me suis formé tout en bas de la pente. Thank you.
I was marching to the wrong drum, with the wrong scum, missing out the wrong.